Yahoo les bonnes chaises, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup pour mon deuxième retour de brocante. Et pour compléter ma collection, ça va être plutôt pas mal parce que je suis repartie quand même avec 152 cartes. Donc bien entendu je vais te montrer tout ça. Je les ai triées par collection et à chaque collection je les ai triées dans l'ordre au niveau des numéros. Par contre je m'excuse si je suis pas capable de te dire si c'est une secrète etc. Tout simplement parce que je n'y connais pour l'instant encore rien. Parce que ça fait même pas un mois que j'ai repris à m'intéresser à Pokémon. Et même pour les noms des Pokémon, honnêtement j'ai arrêté les dessins animés à la saison 2 voire peut-être 3 à l'époque. Donc voilà, je suis pas encore au point. Mais je vais me rattraper le plus vite possible. Donc du coup à chaque fois n'hésite pas à me dire quelle est ton illustration préférée pour chaque collection ou quel est tout simplement ton Pokémon préféré. Donc là on va commencer du coup avec Jettiflor, Krixik. Donc là je vais te dire clairement parce que je les connais par cœur le premier tas. J'adore cet imprimé là. Qu'est-ce qui va me faire penser au Japon. On va voir Magnity, Porygon, que j'adore au niveau aussi de l'imprimé de la carte, pas forcément du Pokémon, là j'ai pas de Pokémon préféré. Tentacool et Musiole. Donc on enchaîne avec cette collection là. Donc on a Grenivol, Watt que je trouve juste trop mignon. Voilà. On a Nidoran, Fampi, un de mes Pokémon préférés. Fouinette qui est aussi un de mes Pokémon préférés. Shinda que je trouve trop marrant. Mimitos et Voltorb. Donc on enchaîne avec la troisième collection où on va avoir du coup Dynavolt. Voilà. Poissirène, Ninupio, Natu, Ningal. Et j'ai l'impression que c'est le même dessin de Ningal que sur la vidéo Booster Magazine que j'ai fait. Fampi, que j'aime du coup, et Spoink. Donc là j'ai que Fampi et Spoink que j'aime comme Pokémon. Donc on enchaîne avec la quatrième collection. Donc vraiment j'insiste, n'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont tes Pokémon préférés que tu as vu dans les cartes dans chaque collection ou l'illustration, ça me permettra de mieux te connaître. Donc on commence avec Macronium que j'adore, toute sa famille Macronium. Crocodile, je sais pas du tout la prononciation donc il faudra m'excuser. Lui je l'aime pas spécialement. Et les Tech Hippodrampe, oui. Kirlia. Et les Del, Drabi, Hérissandre, j'adore toute la famille d'Hérissandre. Abo et les Kid, Nidoran, Tarsal, Otaria que j'adore. Lipouti et Nirondel et Caiminus que j'adore aussi. J'adore toute la famille Caiminus. On enchaîne du coup avec Ho-Oh. Malos que j'adore, Germignon que j'adore, Snubbull que je n'apprécie pas spécialement. On continue du coup avec Quaneton, Maskrime, Chakripan, Ratentif, Poncho qui est trop chou et Poichignon. On enchaîne avec Chamallow, Umbrellex, j'adore toute la famille d'Umbrellex. Et Riolu que j'adore aussi au niveau de toute la famille. Donc une toute petite collection vu que j'en ai que deux dans celle-ci. Donc ça va être un peu chaud à rattraper parce qu'il y a quand même 106 cartes. Donc on a Nirondelle et Poussifeu. J'aime bien Poussifeu quoique j'en suis pas spécialement dingue. Donc du coup on a pour cette collection Capumain, Laporeille que je trouve juste trop chou. Evoli que j'adore. Kiplou qui est trop mignon. Et... sans copie. Donc on enchaîne encore avec une collection où je n'ai que deux cartes. Donc je vais directement te les montrer, ce sera plus simple. Donc on a Gloopty et Miaos. Donc voilà. Ensuite encore des petites collections. Après je crois que ça revient à des grandes collections. Donc on a Polarum et Rototop. Ouais, je préfère Polarum. Encore une petite collection où je n'ai que deux cartes. Du coup on a Granivol et Chenipot. Donc Kenotor, Majoper, Marill qui est trop mignon, j'adore, et Feu Forêt. On enchaîne avec du coup Topicœur et Krixik. Là j'en ai qu'une, du coup c'est Krabby. Encore une collection où elle est toute seule, donc avec Granipo, Poichignon. Donc là j'ai pas mal apparemment de petites collections, mais après ça va revenir. Donc on a Ninupio. Donc du coup on enchaîne avec une collection un peu plus grande que les autres. Là il y en a 5. Donc on a Arakdo, Gloopty, Arco,
Magikarp et Umbrellex. Donc Umbrellex, à force tu dois savoir, mais je l'adore. J'avais pris plein de cartes dans la promis. Donc Umbrellex, c'est un Pokémon que j'adore, vu j'avais pris plusieurs cartes dans le premier retour de Brocante. Et bizarrement, mais Magikarp est un Pokémon que j'adore tout simplement parce que pour moi, il signifie tout simplement qu'au départ, on peut être une petite merde et à force de s'entraîner et de travailler dur, on peut réussir à devenir quelque chose d'intéressant. Donc on enchaîne avec une toute petite collection, je n'ai que deux cartes, on a Nénupio et Gravanra. Donc encore une autre petite collection avec seulement deux cartes, donc on a Carabaf et Gobou, qui est trop mignon. Donc on enchaîne avec une collection où j'ai un peu plus de cartes, comme ça, ça fait plaisir. Donc j'ai Zarbi, Girafaring, Granivol, que j'aime bien, et j'aime bien Girafaring aussi, Smogo, Mingal que je trouve assez marrant quand même comme Pokémon, et Starry que j'adore. Donc on enchaîne et là j'ai trouvé 12 cartes de la même collection, donc ça fait plaisir, mais malheureusement quand on regarde en bas il y a 147 cartes, donc je suis encore loin d'avoir tout rattrapé. Donc on a Castorno que j'aime bien, Charpignon qui est plutôt pas mal et j'adore cette illustration, je la trouve juste sublime, Yamma, Balbuto, j'aime bien celui-là à son apparence, Bulbizarre, Ribou que j'aime bien, ce Ribou que j'aime bien, voilà. Ousticram, ça aussi c'est un Pokémon que j'adore. Corillon, qui est plutôt pas mal. Baudrive, Rakaillou, Gobou et Balignon. Voilà. Donc là, la collection que je vais te montrer, en fait, si j'ai bien suivi, c'est la toute première collection de cartes Pokémon qui a existé. Et j'en ai retrouvé 3, donc ça, je suis plutôt content. Donc, par contre, je suis pas sûre qu'elle soit dans le bon ordre au niveau des numéros, mais c'est pas grave. Donc, on a Evoli. Donc, comme tu peux voir, il y a le petit point. Nidoran et Abra. Voilà. Donc ça, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'était la génération que moi, j'ai suivie au tout début. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc j'insiste, hein, mais n'hésite pas vraiment à me mettre en commentaire quels sont les noms des Pokémon que tu aimes ou alors les illustrations, parce qu'il y a des illustrations quand même qui sont plutôt sympas. Ou alors n'hésite pas à me dire quel est ton illustrateur préféré aussi de cartes Pokémon, parce que ça aussi c'est plutôt intéressant à savoir. Et on a du coup Karnea en premier, on a Chenipan, Brapo, Charglam, Krabi, Lovedisk, Solarock, Togepi que j'adore et Poussifeu. Donc du coup on a presque fini, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et là je n'ai que 4 cartes, donc on a Tifeuille que j'avais pas vu pour l'instant, donc ça c'est plutôt pas mal, Chétiflore, Polychrome et Voltorbre que j'aime bien au niveau de l'imprimé. Donc on est vraiment à la fin là, et cette collection là j'en ai trouvé 12, donc c'est bien, mais malheureusement quand je regarde le nombre il y en a 111, donc j'ai encore du boulot. On commence avec Aquali qui est juste sublime, on a Kira, Galekid que j'aime bien, Coconfort, Starry donc du coup que j'adore, Aspico, Nidoran, Nidorina, Nidorino, Granipio, Sankoki et Tortipousse. Donc on enchaîne avec Dodrio, que je n'aime pas spécialement, Dinoclier, qui est plutôt mignon je trouve, Cradopo, aucun avis dessus, Coronèbre, que j'aime bien, Blixi aussi, j'aime bien son apparence, Kaiminus donc du coup que j'adore, et Nosferati. Donc du coup on enchaîne, j'ai presque fini, il me reste plus que 18 cartes à te présenter, donc n'hésite pas aussi à me dire comment s'est passée ta journée de samedi. Donc du coup on va commencer avec Ekrapins, donc je n'ai pas d'avis sur ce Pokémon, j'aime bien le neuf par contre, Magikarp du coup que j'adore en plus, là l'image est bien plus jolie que celle de tout à l'heure, Arakdo et Poussifeu. On enchaîne par contre avec un Méga Grofeil parce que cette collection là je crois que c'était la deuxième que je t'ai présentée tout à l'heure, donc Méga Fame mais tant pis. Donc on est avec Triopiqueur, Eliatron, Rettincelle que j'adore, Long qui est plutôt pas mal, Vibranif si je prononce bien, Bulbizarre que j'adore, Salamèche que j'adore et Tic que je ne connais pas spécialement. Donc on enchaîne avec la dernière collection de cartes et on a du coup Tenmore, Tignon, Macunia, Feu Forêve et Misterbe avec une drôle d'apparence quand même je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses mais voilà.
Donc du coup c'est tout pour ce deuxième retour de brocante, j'espère que cette vidéo du coup t'aura plu. N'hésite pas à te mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, n'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir de te compter parmi ma Pancha Family. Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve aussi très très vite pour un autre retour au brocante parce que j'ai quand même pas mal de cartes à rattraper, donc on va avoir plutôt pas mal de vidéos là-dessus. Donc n'hésite pas aussi à me dire si les retours brocantes c'est une catégorie de vidéos que tu aimes. Sur ce, à bientôt.